monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre parce que j'ai encore jamais fait ça sur ma chaîne et que j'avais envie, donc voilà, c'est lourd. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler des étoiles de Nos Aides de Sophie Jumain. Le tome 1, c'est mieux. Oh, ça pique les yeux. Je ferme ma fenêtre parce que sinon on voit rien. Dites-moi si ça vous plaît le décor comme ça. Alors, aujourd'hui on va parler de ce bouquin qui est juste trop bien. C'est un coup de cœur et j'ai rarement des coups de cœur, mais là j'ai trop aimé. C'est une série en 5 tomes. Voilà, et donc là on va partir sur le premier, je vais vous expliquer un peu. Dans le premier tome, on va vivre l'histoire à travers Anna, donc une jeune fille française qui vient en Écosse, à Wick, pour rendre visite à sa grand-mère. Et elle va tomber sur un beau garçon. Du coup, elle sera amenée à le revoir et tout, mais il est assez mystérieux. Il va lui révéler sa vraie nature et il va se passer tout un tas de choses et tout. Donc moi déjà j'ai beaucoup aimé ce livre parce que à la fin vous doutez bien qu'il y a une belle histoire d'amour et tout, mais il n'y a que dans les livres que ça arrive. Et je pense que ça se voit, nous sommes dimanche. En vrai j'ai une tête potable, mais en vidéo c'est pire que tout. Croiser la route de Lace et du coup ils vont vivre tout un tas de choses, ils vont tomber amoureux, Midi va lui révéler sa vraie nature, mais bon elle va rien péter. Au début elle va flipper sa race, mais après ça va aller mieux. On va s'en suivre tout un tas d'aventures à travers les bouquins, mais celui-ci, duel si on peut appeler ça, je l'ai lu en 2 jours même pas. Voilà, après les autres je les ai tous achetés les uns à la suite des autres et je les ai tous hyper rapidement aussi. Le dernier il était juste trop bien, ils étaient tous trop bien du début jusqu'à la fin. L'auteur elle a trop bien su jouer son truc. Déjà la couverture elle est juste trop belle, c'est les éditions France Loisirs, voilà, parce que moi je passe ma vie là-bas. Et donc il coûte un truc comme 15 euros, et franchement je vous conseille trop parce qu'il est vraiment trop bien. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je sais pas parler de livre en fait. Voilà, donc on va juste se laisser hein. Je conseille ce livre si vous aimez le fantastique et les histoires d'amour belles, voilà, le genre de truc qui m'arrivera jamais. Je vais le prendre avec lui. Je vous le conseille vraiment beaucoup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!